Digilink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Digilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Digilink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala. Pour le service sur Digilink, c'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des tresses africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur digilink.com. Messieurs et dames, merci de suivre la deuxième partie. Vous allez nous excuser pour le retard avec lesquels nous commençons cette deuxième partie. Ce n'est pas de notre faute s'il y a eu beaucoup de choses en même temps. L'actualité, c'est la plainte contre Mabunda. Bon, tombera-t-elle ou pas, mesdames et messieurs, le conseil, a pris acte. Donc, l'affaire est maintenant délibérée. Je crois qu'il ne reste plus que 5 jours, ou peut-être 6, pas plus, et Madame Mabunda connaîtra son sort. Mais nous avons des informations comme quoi le bureau de réception de courrier a fermé. On ne sait pas les saisir, on ne sait pas déposer les exploits. Mais ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a toujours des mécanismes de déposer et de le faire déposer. Et ça, vous devez le savoir. Donc, fermer le bureau, ça ne veut rien dire. Ils ont présenté des raisons comme quoi, pendant la période de Covid, on ne peut pas réfléchir sur la question. Mais non, c'est faux. Monsieur Kabound est tombé pendant la Covid. Ronsard Malonda et a été finalement intronisé, si vous le voulez, pendant la Covid. Les échanges, les escalades verbales qu'il y a eu entre l'Assemblée nationale et le président de la République, c'était pendant la Covid. De la même manière, pendant la Covid, tous les dossiers ont été traités de la même manière, Tokenango, Tinasuka. De la même manière, les lois Minaku et Sakata ont été réceptionnées, reçues, acceptées, accueillies. De la même manière, la procédure, il y a M. Mamba et Salema qui n'a pas dans l'Assemblée nationale. De la même manière, Salema Pesiko. D'ailleurs, à l'époque, la Covid frappait davantage que le Kanam Siko. Donc, Siko Koutouna est encore en train de nous reposer un peu. Alors, il ne faut pas qu'on évoque ça comme une raison. Ce n'est pas une raison. Mesdames et messieurs, aussi, il faut parler de ce cachot secret de la DGM fermé. Le VPM Kankonde, dans le regret de découvrir des personnes détenues plus de 9 mois sans PV ni réquisition du parquet. Des manœuvres aériennes ce vendredi sur Kinshasa. Et puis, Covid, une nouvelle vague de contamination. Mesdames et messieurs, permettez-moi de revenir sur la question de meeting aérien. On en parlera demain. Ce n'est pas le moment. Demain, on en parlera sur cette question. Aujourd'hui, permettez-moi de me consacrer sur la question de cachot, sur la question de cachot fermé. D'abord, il faut rappeler une chose. Le VPM de l'intérieur s'est largement trompé sur la question. D'abord, il faut rétablir la vérité. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur s'est profondément trompé sur la question. Il n'y a pas de cachot na DGM, ça n'existe pas. Na DGM badana obabengaka centre de détention. Topé centre de rétention. Et dali centre moko transit entre bateau bakangami na bateau badana séjour irrégulier. To badana situation irrégulière. To bateau bazaka considéré comme un danger pour na mboka. Période wana obazalaka. Ceux qui va reconnaître, va redécouvrir bango. Bakangaka bango. Pour empêcher que ça se volatilise, parce qu'on a air liberté.
La chose qui vient après, la procédure qui vient après, est de rencontrer Bango Pembeni pour que base l'ambassade na Bango et qu'on en contact d'abord l'État qu'on en contact na l'ambassade na Bango pour n'abat rapatrier ba citoyen na Bango. Nous sommes un pays Oyo toza kona kati ya ma convention. Il y a plusieurs pays dans le monde ba ratifia et qu'on ne peut pas aujourd'hui causer un abacachement clandestin et surtout pour les étrangers. Il n'y a aucune raison d'arrêter les étrangers et de le bloquer quelque part, de le torturer. Il n'y a aucune raison. Ma pratique à modèle, on a la RDC, en tout cas, parmi les pays, comparativement, on a un traitement dégradant, inhumain. Au Congolais, on a subi ça. À l'étranger, au Congo, ça n'est pas raté. D'ailleurs, vous le savez, au Congo, les étrangers sont pris comme des rois. Alors, le VPM a été finalement induit en erreur et je crois qu'il y aura un communiqué. VPM, ou dans la charge intérieure, ou déjà maintenant dans la catinaïe, dans l'attribution naïe, je suis très convaincu que ça la communiquer, moi, pour rectifier au propre, là, où j'étais dans ma service, dans mon. Parce qu'à la fin de compte, le VPM sera responsable de ce qui va arriver dans la DGM. Ce qui est le DGM est quoi, ça, la malamouté, le leadership, c'est le leadership du ministre du VPM, ou dans le ministre de l'Intérieur. Parce que DGM est dans la catinaïe intérieure. C'est comme un père qui se tire une balle dans son pied. Et alors, père, moi, quand le binon, je vais saper mon enfant. Ce qu'on sape, moi, en ayant, en réalité, on sape éducation, on peut faire, moi, en ayant. Parce que le leadership avec lequel, toi, déjà, bon, ça, moi, ça, là, et dans le leadership, c'est vrai, en principe, il y a président de la République, mais, nakat, il y a mécanisme, nakat, il y a tutelle, il y a ministre intérieur. En réalité, bah, service, il y a ministère, il y a intérieur, n'est, bah, sali, mauvais usage, il y a image, on a une mauvaise interprétation, il y a makambo bakuti wana. Il se pose un problème, parce qu'il faut tout sa peuple à comprendre. Il se pose un problème. Deuxième, bazalaka, direction générale Nabango, professionnel Nabango, pardon, ils ont la kin mazière. Ce qu'on le kin l'élo na bakote wana, ou kumona ki bado réfectionner bâtiment wana. Et donc, si quoi le place centre de détention, ils allient ailleurs. Mais place soit les clandestins, parce que là où c'est clandestin, les ambassades n'ont pas accès. Là où c'est clandestin, le VPM n'allait pas retrouver. Là où ce qui est dit clandestin, c'est-à-dire bombama, ba bomba yango. Et les caméramens, il y a ministère, il y a intérieur, ont refusé volontairement de prendre les images des mousses qu'il y avait. Bazui, nasé, la question de dire, tout le monde prend nasé, dans la mousse. Pourtant, il y a des matelas, les images, vous le verrez, il y a des matelas. Place bazawana. Bazana matelas na bango. Ce qui bazaki na matelas te, mais les boyoki déclaration en Chine. Mais les bons qui déclarations, ces pays-là ne se sont pas prononcés pour dire que nos citoyens sont torturés. Bah, c'est prononcé dans nos têtes. Parce qu'ils n'ont pas de raison de le faire. Il n'y a rien de le faire là-bas. Et puis, quand il parle qu'il y a eu plusieurs personnes là-bas, plus de 20, ce n'est pas vrai d'ailleurs. Bateau, bah, plus ou moins 5 ou 4. Plus ou moins 5 ou 4. Et là, bateau, il y a une situation irrégulière. Le cas le plus battant, c'est le cas d'un Chinois qui pensait qu'il pouvait faire le tour du Congo par moto. Quel est ce Congolais qui peut circuler sans papier, sans document, n'amboka moka mupaya? Congolais, on a comme mekelo comme modèle. Quel est ce Congolais qui peut se permettre de sortir de Nguanzu, à qui est de Shanghai, à l'Ongola Shanghai, à qui est de Pékin, sans document? Sans document, aucun. Et maintenant, tout le monde a mis ça là. On l'amène, on l'achemine à Kinshasa pour nous rapatrier. Et quand on appelle l'ambassade na Bango, les ambassades se rendent compte qu'effectivement, Motonabi, ce qu'on a dans la situation irrégulière, Batine de la visa. Ce qui va oumeli na Katia ba centre wana, ce qui va oumeli, c'est simplement pour la simple et unique raison, il y a eu la période de Covid, la Chine par exemple avait fermé les barrières. Alors voulez-vous que Bakia na Bango api? Moi je comprends pas quand les gens disent que ba traité Bango mala mouté, ba voyez na bakacho mike mike. Pourquoi vous ne vous souciez pas des Congolais qui sont pris, qui sont je ne parle même pas au traité Liban Namboka, non. Je parle même comment vous pouvez, ça c'est l'hypocrisie et même c'est l'aliénation des Congolais. Vous êtes aujourd'hui très préoccupé par la situation des étrangers, mais vous n'êtes pas préoccupé par le nombre de prisonniers qui meurent, qui décèdent dans la prison à Binomoko. Donc vous voulez faire des choses pour mettre les autres à l'aise alors que Binomoko vous a à l'aise. On ne fallait pas tirer dans condition humaine, ça veut dire quoi? Bango ba tirer dans grand hôtel, bango ba tirer dans même ligne, bango ba tirer place nini. Parce que moi je veux même aller plus loin. Parce que dites-nous un peu, quel est le traitement que eux nous réservent nous quand nous sommes chez eux? Traitement nini ba réserve rabiso. Posez la question aux Congolais qui vivent à l'étranger, posez la question aux Congolais qui vivent en Chine. Ba bisabino comment on les traite ceux qui ba documenter?
Même Sabino, comment un Chinois, un Congolais qui vit en Chine m'a dit Christian. Sur le côté na ovacité, na bonne bien regarder ceux qui ovacité. Sur le côté na ovacité, tu te mets dans une posture où au moment tous les Chinois on dirait pas policiers. Au combiné kobanga parce que si on t'attrape tu es foutu. On t'amène d'abord en cachot, bah bloqué au kuna, bah causer la yosa kuna en cachot. Ce sont tes familles qui vont t'amener à manger. Or awa, tango bazawa, c'est leur ambassade qui donne à manger. L'État congolais parfois donne un cadre. Adopé ça parfois biloko na mboka kolia, mais au moins basé dans des conditions beaucoup plus humaines que tant biloko n'arrive pas na mboka kuna. Alors ne venez pas nous raconter des choses parce que vous êtes tout ça. Non, c'est pas, c'est à la limite honteux. Moi j'ai eu honte hier d'apprendre ça. Mais il faut dire la vérité aux Congolais, ce qui ne s'agit pas de ça. Le problème est ailleurs et je vous le dis tout de suite. Messieurs et dames, au moment où il faut tous avoir la fierté ya mboka na biso. Le chef de l'État a dit ici que il faut qu'il fasse des millionnaires. Mais il ne peut pas faire des millionnaires dans un contexte qui opprime les Congolais, les nationaux. Lorsque les étrangers viennent s'enrichir chez vous au pays, font ce que vous devriez en principe faire pour avoir de l'argent, pour vivre mieux, et comme il est dangereux. Et comme il est dangereux, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous en sortir. Nous sommes le seul pays dans le monde, sinon parmi les pays dans le monde, où le Congolais, les nationaux sont arrêtés par les étrangers. C'est ici au pays, Où un étranger peut venir. Il crie sur un général, il crie sur un ministre, il crie sur n'importe qui parce qu'il est, étranger. C'est très dangereux. Beaucoup de pays ont compris qu'il fallait arrêter ce banditisme pour ne pas émerger. Ici au Congo, je ne citerai pas son nom, un ministre de la communication a été viré par un Chinois. Est-ce que vous imaginez? Un ministre de la communication, Nambo Kanabiso Oyo, na époque Mokoboué. Balongola n'est pas un Chinois. Un Chinois lui a dit que monsieur, tu quitteras le pouvoir au Longwa. Et pas à Longwa P. À Longwa P sans aucune raison. C'est au pays ici. Citez-moi ce Congolais qui peut oser faire démettre même le chef de rue à Chine. Congolais n'a rien qu'à décider sur nomination à maire de la ville Mokon à Chine, Azate. Pourquoi l'impossible est possible chez nous? Pourquoi ce qui est impossible ailleurs est possible chez nous? Pourquoi ce qui est impensable et pas à Baninga et pas n'importe quoi pensable? Parce que nous avons perdu l'âme. Le Congolais a été déterré, déraciné. C'est-à-dire nous vivons comme Nietzsche dit, hein, on vit comme des copieurs, des copieurs, on fait semblant de vivre. Mais nous n'existons pas. On n'existe que de nom. Aujourd'hui, on a fait un exemple en Afrique du Sud pour vous donner l'idée de ce que je suis en train de dire ici. On a fait deux exemples. Moko en Afrique du Sud, moko en Amérique. Bon, t'as le niveau leadership y a bateau. Et puis, on peut s'abîmer au pays à Congo. Vous allez voir le leadership des gens. En réalité, le problème, il n'y a pas de pays difficile. Non, c'est le leadership très souvent qui est difficile. Les pays qui se sont développés ne se sont pas développés par la manne. Ne se sont pas développés parce qu'ils avaient autant de minerais. Mais les pays se sont développés parce qu'au cours de l'histoire, ils ont rencontré, ils ont eu un leadership organique, un leadership véritable, un véritable leadership de transformation et la mentalité à bateau. Avant la coupe en Afrique du Sud, n'a pas sabino exemple aux États-Unis. Les États-Unis, tout ça, dans monsieur Moko, on a Rockefeller. Rockefeller est le patron du pétrole. Avant l'entreprise de Moko, Standard Oils, je crois. Standard Oils, on a sali monopole. Il est une identité. Mais Delano Roosevelt arrive pendant la campagne. Il fait comprendre à Rockefeller que l'Amérique ne va pas se développer avec un seul riche. L'Amérique va se développer avec plusieurs riches. Tout le monde a Rockefeller, il faut tout le monde a Vanderbilt, il faut tout le monde a Morgan, il faut tout le monde a Edison, il faut en avoir à Ford, il faut en avoir beaucoup pour que tout le monde ait belé. Mais la logique où Rockefeller au lingo ça, là, il aussi m'batté. Une fois que je suis président, je vais te déconcentrer. Rockefeller a bien au comme président. À la fin des comptes, Delano Roosevelt devient président. Et Rockefeller, malgré sa puissance, a été détruit. Obligé de décéder. A petit monopole. Et Batumsuba Koti, aujourd'hui, l'Amérique s'est réveillée. L'Amérique a plusieurs riches. La Belgique, c'est la même chose. La Belgique a été forte parce qu'en 1960, il s'est retrouvé qu'il y avait près de 300 familles riches. Batumsuba Plantation, Batumsuba Mine, Batumsuba Boué, Batumsuba Boué. Mais maintenant, en Afrique du Sud, il y a une famille qu'on appelle la famille Gupta. Bato Bayebi famille Gupta wana, en Afrique du Sud, Bayebi que la famille, c'est une famille indienne
qui arrive en Afrique du Sud en 1990. Cette famille commence à s'enrichir. Malin, mais c'est des gros industriels. Ah, vraiment, des gros industriels. Une oligarchie, vous n'avez aucune idée. Qui s'emploie un peu de népotisme. Parce qu'il y a des neveux comme Atul. Il y en a beaucoup, non, des neveux, pardon, comme Varoum. En Afrique du Sud, Varoum, Rajesh, Atul. C'est des millionnaires. Des véritables riches sud-africains. Mais là, ça, indien. Alors, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Bandi Kobandana nous malaime qu'on crée un réseau plus fort. Ils ont de l'argent, ils mettent les moyens, ils arrivent à prendre l'économie. Après l'économie, ils commencent à prendre des services, il y a public. Après le service public, il y a comme la politique. Au point que j'ai le témoignage de près de trois catégories à bateau, je vais vous le dire. Après avoir pris M. Zuma, il y a même des rumeurs qui ont dit que imposant M. Zuma, batona cabinet naïe. C'est vrai, M. Zuma a nié le fait. Mais au moins, que famille Gupta wana, kotisa bato na katia cabinet à président. Imaginez l'influence ya modèle wana. Ça ne s'arrête pas là. Beaucoup de témoignages sont venus après. Vous avez par exemple M. Xebisi Jonas, avec vice-ministre à finance. Tant que vous limogé supérieur naïe, quand on limoge supérieur naïe, Lala Néné va tomber. Pour des raisons qu'on ignore tous, Monsieur Jonas va proposer la famille Gupta wana va proposer à lui son dimi qu'on soit l'habitude à l'agence de commission ministre des finances. Est-ce que vous imaginez les Indiens qui viennent faire des gens des ministres en Afrique du Sud, Nambo Kanabagote? Ça ne s'arrête pas là. Souvenez-vous de l'épisode il y a Madame Vichy Mentor, alors ancienne députée, avec une ligne il y a aviation. Colombo, Afrique du Sud, na Inde. Famille Gupta wana, pour contrôler les trafics, si tu veux avoir des promotions, tiki la biso ligne wana. Soko tiki ligne wana, te ya Afrique du Sud, Inde, vous allez tomber. Mais elle n'est pas seule. Mais il y a encore une autre personne, je vous parlerai de Tsotsi Zola. Tsotsi Zola a aussi connu le même problème. Ça veut dire qu'on est en face, on était en face d'une famille plus puissante. On va donc diriger en gros. Alors, je crains que le Congo soit le cas aussi. Vous vous rappelez, à l'époque, il y a eu tellement, à l'époque, il y a eu dans le Congo, oh, ma bon, ça, il m'a kippé, belé. Vous vous souvenez? La même chose. Libanais, Kangi, appareil politique, mon bimba, yambo, kao. Monsieur, député, suppléant député, faire passer, député, chinois, monsieur, sénateur, souvenez mon regard, sénateur, il y a un sénateur congolais. Qui n'est pas sénateur du fait qu'il a été élu, non, parce que non seulement qu'il n'a pas été élu, il a acheté les voix des députés provinciaux. Après avoir acheté les voix des députés provinciaux, il a été porté par ce chinois-là à commissaire place à Zawana Lilo. Et Batono Bada est belé. Ils ont repéré des talents, ils ont repéré des hommes, alors ils se sont fait des boucliers. Batono va créer un empire Mokoboé dans le Congo. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, Bakye Kota la Félix Tshisekedi Bango, Bakouti Félix Tshisekedi Yé, na Vital Kamerhe. Je vous donne une info, vous allez vérifier. Bali Félix Tshisekedi Mbongo, il y a hauteur, il y a plus de 30 millions, je ne me rappelle plus. Mbongo est belé penza. Babi non, monsieur le président, tu es Kota la yo, on n'a pas autre chose à faire, tu es Kabela yo Mbongo. Tu es Pesa yo Mbongo, pour que tu aies mandat ou bien. Félix Tshisekedi répond à Batouana. Le témoin oculaire, c'est monsieur Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi dit à ces gens-là, l'État congolais me donnera assez de moyens pour asseoir ma politique. Je n'en veux pas. Merci pour la civilité, Nabino Bogokende. Si vous voulez rencontrer Vital Kamerhe. Ce qui s'est passé avec Vital Kamerhe, je ne connais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce jour-là, est sous Kakawana. Est-ce que vous imaginez un peu modèle Wana? Ça veut simplement dire ici quoi? Ça veut dire que si on ne veut pas mettre une rupture entre Bissot, Namakambo Kalawana, Makambo changer tes. Le Congo offre maintenant un terrain, il y a vie, il y a paradis, naba étranger, et comment ils vont faire pour Nabiso Moko? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communautés libanaises, chinoises, anglaises, tout ça, toutes ces communautés, on va outre à Liban, il y a un pays qui s'est constitué le quoi, la force. Comme il y a un protectorat, Moko Boué, il se protéger entre Bango. Mais pour que ça aille bien, ils doivent acheter les juges. Acheter les policiers, acheter les magistrats, acheter les militaires, acheter les politiques,
déjà qu'ils ont pris l'économie et comme il y a Bango. Alors, bah, comme même dans le niveau, il y a que ça la guerre contre Bissomoko. Bah, société à Congo est comme il faut peiner. Parce qu'il faut soit battre Kélango, bah, immigré, voilà, professionnel, soit bah, Kangaïo, dans Maboko, dans Bangomoko. La preuve, bah, dans la boulangerie, monsieur Yamapa, et dans la entreprise, il y a l'État. Et l'État, pati Kango Bongo. Pour voir ça, il y a ça, Bango, bah, dans la poche, dans Bango, Batonioso. Comment voulez-vous, messieurs et dames? Beaucoup imaginaient que le bah, général Moussoussou, le bah, colonel Moussoussou, le bah, ministre Moussoussou, bah, il y a bon de pain, bon y a mapa, bon y a miliki, bon y a sucre, bah, il y a comme ça chaque fin du mois. Soit il y a un bon chaque jour, soit il y a un bon par semaine, mais ce n'est pas possible. Et ils ont ce bon-là tous les jours, tous les mois, tous les semestres. Ils ont ça pour juge. Mais il y a comme miliki et pas un Libanais. Mais il y a comme miliki et pas un Chinois. Au teki bon moto, na yo, pour n'avoir pas un pamba modèle. Est-ce que mon ingana au juge, na Chine, mon ingana au juge, na poto, a kondima modèle, a kondima humiliation modèle wana? T'as comme il n'a beaucoup à moi, on a comprendre te. Chinois, il y a un bilo qu'on a un apport, montrer qu'on dédonne les bilo qu'on a général. Est-ce que vous pouvez imaginer, il y a un bindo. Il y a un modèle Luana. Et vous avez un général avec des galons de la République qui va aller dédouaner les objets d'un monsieur qui n'a même pas eu de... C'est pas possible. C'est parfois révoltant de voir ça. C'est très révoltant. Et ce monsieur-là, il est tout doux, hein, très calme. Pas chez lui, mais il donne des ordres. Il peut appeler un ministre dans un conseil des ministres. Il peut appeler un juge et le fait déplacer. Et le juge cutte le bureau à Kérolanda. Ce monsieur-là, parce qu'il a l'argent. En fait, ce sont des hommes et des femmes prisonniers du matériel. Vous n'êtes plus un homme lorsque vous êtes guidé par le matériel. C'est affreux et c'est scandaleux. Ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure est encore plus grave que ça. Il y a eu un cas, je peux vous le dire, qui s'est produit il n'y a pas longtemps. Il y a, je vais lire les noms, il y a un monsieur indien qui a vécu au Congo, ça fait très longtemps, ça fait, il paraîtrait, plus de 20 ans, il est sur le territoire national. Son nom, c'est Monsieur Jirvani Mirat. Monsieur Jirvani, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Mirat Virani. Monsieur Mirat Virani est un sujet indien. Monsieur va se permettre, il se permettra le luxe d'utiliser les services de la République Nabiso pour ne pas qu'il y ait un autre sujet indien, encore une fois, M. Raïrela. Ben, M. Raïrela Jinesh, Jinesh, vous comprenez le nom, il est compliqué, ben, M. Raïrela Nagoma. Est-ce que beaucoup qui ont imaginé que deux Indiens s'affrontent sur le territoire congolais en utilisant les services de la sécurité de Congo? Pour accomplir ma besoin à bango personnel. Rien à voir avec l'État. Monsieur va s'arranger pour obtenir une commission rogatoire, mais dans l'illégalité totale, ce qui va entraîner une sorte d'enlèvement. Bah, qui a enlevé le sujet Raïrela de Goma, bah, mais Mayewapi, dans Lubumbashi. Est-ce que vous imaginez? Bah, l'ongo lié à Goma. Bah, Kosini, bah, l'obi non, a dû financer Gédéon Kyung. Bah, l'ongo lié, Libanianani, Indien, on a Goma. Bah, il y a un Lubumbashi. Parce que comme dans Lubumbashi, il est entendu, torturé, auditionné. Bah, contraindre, à partir, il y a qu'on a échangé. Et l'ongoué Makambuya, Gédéon Kyung, Komi Makambuya, avait un Nyonga 250 000 dollars. Mes frères, qu'est-ce que nos services de sécurité ont à voir avec une dette entre deux Indiens? Lorsqu'ils viennent dans le pays, ils viennent pour faire de l'argent. Ils viennent investir. On veut bien. Mais quand il y a un conflit qui les oppose, les instances congolaises sont appropriées pour régler la différence parce que la commission de l'infraction aurait été commise à Panambo Kanabiso. Donc, en principe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saisir la justice. Il y a place au Moko Nabango Azali. Mais non, monsieur Mirat ne va pas le faire. Tout puissant qu'il est, il va faire en sorte que Akenekozoa, monsieur Wanakuna, n'a pas service à haut responsable, il y a pas service à sécurité Nabiso. Bah longue kuna na Lubumbashi, alors que on est dans la huitième dans la rangote pas inspecteur, mais là ce sont des autorités. Bah longue kuna parce que vous avez monsieur Wana, bah zuye na goma al bango na ba mimiye ti na Lubumbashi. Bah comme c'est kuna dossier changé, et ça sous ma théorisme était et comme ma kambuya nyongo. Monsieur qui s'appelle Tétan.
Tchétan. Le Tchétan, on a dit patron, il y a patron. C'est-à-dire, il est différent de deux personnes. Motomoko, une tierce personne qui est monsieur Mirat, il y a Kangisi, Ndiona Moussous. Tant à Kangisi, il y a un service de sécurité. Les gens vont dire, mais oh, Christian, qu'est-ce que nous on a à voir avec? Si on a à voir avec, je vous montre comment nos services sont manipulés parfois par des hommes et des femmes qu'on a laissés venir au pays, faire de l'argent, investir. Mais non, on dirait l'envie d'investir dans Moukier. Pour la banque, il faut contrôler tout un système. Il y a un monde dans la banque, il y a un Congolais qui a un crédit exaté. Bon, il y a un crédit exaté parce que ceux qui détiennent les banques ne sont pas des Congolais. Ils vous voient comme des adversaires, de potentiels adversaires. Si on a un peu de crédit, beaucoup ont un bon et beaucoup ont une idée de la banque. Or, si beaucoup ont une idée de la banque, il y aura donc un patriotisme qui va naître en vous et le patriotisme prendra une autre allure. Ça sera maintenant le patriotisme économique, ça va être le patriotisme de service, ça va être le patriotisme et puis finalement, ils n'auront plus de place. Et ils ne veulent pas voir comme ça. Voilà pourquoi. Alors, j'étais en train de parler de monsieur Mirat. Monsieur Mirat en complicité avec monsieur Mouchine Bardaï. Basbayo Kani entre Bango, je veux dire un peu comme enlevé Motoana, mais sous le biais d'une justice, mais pas la bonne, en tout cas, commission rogatoire, il y a l'Okuta, Bamemi Motoana Kuna. Et c'est là qu'on va obliger à ce monsieur Rairela à ça la note, à ça la signature, à signer, à foutre en Nyongwa 250 000. Alors il va signer, on va dire ça, c'est un aveu extorqué. Bah forcé à ça la yango, il dit même selon le monsieur quand il fait sa plainte à sa plainte à lobby bah posa qui est munduki bah ça qui est arme pour n'en dire mais le quoi. Alors regardez comment nos services de sécurité bah sont tombés dans le modèle là. Pendant ce temps le chef de l'État ne connaît pas, hein, n'est pas au courant. Pendant ce temps bah services nationaux hein, DGM, ANR, parfois même cours de cassation bah il met en voilà. Ça se passe dans le niveau, il y a assez, dans le niveau de ma province. Le leadership n'est même pas au courant. Parce que, maintenant, magicien. Maintenant, à partir de quel moment, Bakoyo Kango, lorsque M. Rairela a sali quand même aveu, lorsqu'on va le relâcher, il arrive à Kinshasa, c'est là qu'il fait sa plainte. Et c'est là que toutes les autorités sont alertées. Toutes les autorités de la République sont alertées. Le Congo, je dois rappeler ici, que nos autorités ne sont pas fâchées du fait que deux Indiens se battent. Non. Les autorités ont trouvé indigne. L'autorité en Mboka a trouvé indigne ANR. Haute instance, il y a sécurité en Mboka. A trouvé un mot indigne. Mais ce n'est pas possible que des hommes à qui on a donné des visas, utilisent abusivement le service Nabiso. Ce n'est pas possible. Dans le modèle Wana, les gens se sont dit non, il n'y a pas question. Il faut Motoana, Bazongi, ça y est, na end, place à Outa. Mes frères, le combat a commencé là. Des ministres vont appeler, des présidents des institutions vont appeler, des membres influents des partis politiques vont appeler. Et ça étonne tout le monde qu'un seul sujet indien fasse autant de bruit. Mais malheureusement pour Nabango, l'autorité avait signé à Lungwana Mboka. On l'a donc dit, monsieur, on t'avait accueilli pour ça la moussala na yo, au investir, mais au loco, le commis n'a pas intention. Il y a qu'on manipulait bateau, il y a qu'on manipulait ma service, on te met à la porte. Le monsieur a été chassé du pays, du territoire. Il a été obligé de quitter le territoire. Il a quitté le territoire congolais. C'est comme un scandale et bandit. Il y a un MCB qui est attentif, mes frères. Lorsqu'on avait dit que le rupture au Tonguito Kotissa. Ce n'est pas normal qu'un Chinois, un Libanais, un expatrié, un Indien a manipulé la justice Nabiso, a manipulé le service Nabiso. Il faut que ça s'arrête. C'était la méthode à l'époque. Maintenant, ces choses-là doivent s'arrêter. Lorsqu'on avait dit que le peuple d'abord, c'était pour que les entrepreneurs congolais d'abord, les investisseurs congolais d'abord, les commerçants congolais d'abord, les services de sécurité du Congo d'abord, un État vrai. Un homme sérieux ne peut pas prendre position d'un monsieur qui va à l'encontre Yabilo qu'on a vu sur le Congo. Qui est ce Congolais en Inde? Qui est ce Congolais en Inde qui peut se permettre le luxe? Il y a monsieur Wana, monsieur Mirat. Congolais, on a dit le modèle. Nous disons que... Excusez-moi, moi je ne dis pas que monsieur Mirat est un assassin, est un homme, je ne le dis pas.
Seulement, je dis que M. Mirat s'est très mal comporté. Voilà pourquoi la sanction qu'on lui a infligée, il le mérite. Je ne l'accuse de rien du tout. N'allez pas transformer mes propos autrement. Je ne l'accuse de rien du tout. Je relate le fait. Et ce que nous voulons dans ce pays, c'est que l'on puisse respecter la norme, que l'on puisse respecter le pays qui vous accueille. Les Congolais, quand ils vont en France, aux États-Unis, en Chine, en Inde, ils respectent les textes de l'autre côté. Pourquoi pas inverser ça un peu et pas la mission A. Voilà un peu, mes frères, l'affaire. Depuis que Bato Madame Ayel va comprendre, ils peuvent comprendre ce que je veux dire dans cette émission. Yangoto le Biboué. Nous devons mettre fin à Biloko. Vous êtes Libanais, acceptez d'être Libanais. On ne vous refuse pas. Le Congo est un pays hospitalier. Le Congo est un pays qui accueille tout le monde. Mais n'abusez pas de notre hospitalité. N'abusez pas. On est peut-être des naïfs, mais on n'est pas des cons. Ça, les Congolais devraient, les étrangers devraient comprendre ça. On est peut-être des naïfs, mais on n'est pas des cons. Et ce peuple ne sera pas dans cet état pendant longtemps. Il y a un vent d'espoir qui naît. Il y a un sursaut d'orgueil patriotique. Parce que lorsque j'ai fait mes investigations, j'ai rencontré au moins 7 ou 9 autorités, les plus hautes autorités. Tous sont indignés. Toutes sont indignées. Ils disent la même chose. Christian, c'est impensable. C'est impossible. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai dit, Dieu merci, on est sur la bonne voie. Dieu merci, on est sur la bonne voie. Ça veut dire Mboka et Changeaka, tango bateau, badana décision qu'on change Mboka, bongoli mais la bango. Bon lui Christian, nous voyageons partout à travers le monde. Mais il est difficile au monde un étranger à narguer autorité. D'ailleurs, tout le temps, comme on a la Poto, on a la France, on a les États-Unis, on a la Chine, on a le Japon, tu as du mal à appeler même un agent de l'État. Tu as du mal à l'appeler. On est messieurs. Mais pourquoi nous, on n'est pas respectés? On n'est pas respecté parce qu'on nous a détruits. On a détruit la personnalité de notre pays, l'identité de notre pays. On est un peuple perdu. Commençons d'abord par réhabiliter l'État. Commençons par recréer l'État. On aura des hommes d'État. Commençons par recréer la fierté nationale. Commençons par expliquer les symboles où on a tenue, armes, l'État spécial, mission. À l'objet, non, Nandimi, Yosa, policier. Et puis, comment on se caporalise? Non. Nous disons non. Non, Nabilo Kamode Luana. On dit non. Voilà pourquoi je dis que je reviendrai sur la question plus tard. Mais au moins, il faut toyer que on ne peut pas continuer dans modèle Luana. Coup de chapeau dans le service de la sécurité. Coup de chapeau. Il y a grande instance. Hein? Il y a grand, je dis grande instance, il y a une instance à l'Ikolo Makasi. En tout cas, bravo pour le courage d'Abino. Si vous n'étiez pas courageux, ce monsieur allait finalement mettre tout le monde dans le poche. Mais tous ceux qui ont raté. Il y a un Sengiboué. Numéro d'anglais d'Anguana. Onyo soyez bi que un Libanais, un Chinois, un Asiatique, bref, un Asiatique, un Européen, un Américain, ou même un Africain qui n'est pas Congolais, a donc torturé Bato, a donc humilié Bato, a donc chosifié Bato, a donc eu un service à la police, a tient la garde naïe, nani naïe, na trousse naïe, pour dénoncer Bango, pour faire ça à combo. Na identité complète, buto de routine n'a pas autorité en Mboka. Bakulandela mutuana pour mona ki biloko ko changer. Soyons capables de dénoncer le fait. Le mal avec nous au Congo si on ne dénonce pas. Soyons capables de dénoncer. Oh, ne comment on va faire besoin mabé, ala liba a pesa combo. Nous on va donner na ki des droits et tout mona mamulenge yekende. Ce pays nous appartient tous mes frères. Nos parents sont morts pour na biso na Mboka. Soyons fiers de nous. Qu'il y ait la peur qui quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, quand tu es Washington, Maman Marthe, Shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso, biloko y'a. Il y a un bon caca fraîche. Bio.
Barobi njombo e ali. E nkuba baniwa. Barobi njenge e ali. Jakomba kanga ye kwemboto ya mbisa. Barobi nyamba ya botu ya mokombo so e saga ne. Kala ngando ne na lali na basi. Eh! Oyedike na sutu. E zako liya na peti. Po mama mbande. Ya soro. Po bato komprende te. Mawa. Bako ngore. U alonu. U alonu. Bona koliana pino moko ba gode ragino ragino koliana apeti chokona debout congolais unis par le sang unis dans le vent pour la Loye Mbolo Nene Lali Sama.